ce beau séjour. Alors, il paraît que votre dame est plus malade. Oh ben tant mieux, parce que c'est terrible la maladie. Oh, dommage qu'elle soit morte. Au moins, elle saura pas ce que c'est que d'être veuve. Revenons à l'odeur. Beckett? Non, Ionesco. Vous avez du café? Oui. Drôle de bonhomme. Il parlait pas beaucoup, mais il aimait bien rester en silence. Oh, quelle hauteur! Il écrivait tout le temps. Vous écrivez du théâtre? Non. Il arrive à café? Parce que lui, quand il n'écrivait pas du théâtre, il écrivait aux critiques qui n'avaient pas aimé son théâtre. Oh, ben ça, on peut dire qu'il en a écrit, hein? Vous habitez l'immeuble depuis longtemps? Voyons, j'ai aménagé ici à la création de tueurs sans gage. Oh, je me souviens, il faisait beau, un soleil éblouissant, après une pluie torrentielle. Vous savez que l'architecte qui a construit cet immeuble est le même que celui qui a bâti la cité radieuse. Quel beau quartier! Ah, il y a toujours des fleurs. Pas sauf quand il y en a pas. Dommage que ce soit un quartier à éviter. Tueur sans gage, 1959. J'ai travaillé sur cette affaire. Ah ouais? Un assassin solitaire qui tue sans discernement, sensible, homme, femme, enfant. Mort qui frappe à tout moment. Le mal de la société, qui disait Ionesco. Ouais, le mal du siècle. De la société. Du siècle. De la société. Du siècle. De la société. Mal du siècle, l'expression est le mal du siècle. Oui, ben Ionesco, il n'écrivait pas des expressions. Il écrivait bruit de pote. Ah, bonsoir, Madame Dumont. Vous sortez. Faites attention, au bout de la rue, il y a des travaux. Vous aviez dit que... Bruit de pote. Déjà de retour, Mademoiselle Ducharme. Alors, le bibliothécaire. Le problème avec les gens, c'est qu'ils font pas le ménage dans leur appartement. Comment voulez-vous qu'ils fassent dans leur tête? Vous avez dit tout à l'heure... Plus de porte! Ah, doucement avec la porte! Plus de 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 porte! Hé oh! T'as pas fini avec les portes? T'as jamais appris à retenir ça, une porte? Merci pour le café. Dites-moi, Madeleine, c'est bien au cinquième étage? C'est ça. L'étage juste au-dessus. Au bout du corridor, la porte à droite qui débouche dans la cour. En face de vous, il y a un escalier qui descend. C'est loin? C'est là. C'est où? C'est ici. C'est vous, Madeleine, de Amédée, où on commence à en débarrasser? Oui. Policier, inspecteur Malo. Avec un D ou avec un T? Avec un T, comme tantôt. J'aurais
j'aurais 8 questions à vous poser. Est-ce que je peux entrer? Il ne m'en reste que 7. C'est déjà fait. Asseyez-vous. Alors, c'est dans cette pièce que vous dissimulez un cadavre qui grandit. Oui. Il est atteint de progression géométrique. Qui est-ce? Ce n'est pas quelqu'un. C'est une métaphore. La métaphore de qui? L'amour perdu. Celui que je n'ai jamais eu de mon mari. Je ne parle pas de vous, je parle du cadavre. Pour Amédée, c'est l'absence de succès. Mais pour Ionesco, c'était quoi? Je ne sais pas. Son angoisse? C'est flou. N'importe qui peut voir n'importe quoi. Je ne suis pas n'importe qui. Alors? Je ne sais pas. La honte. La quoi? La honte héritée de son enfance. La honte n'a jamais fait grandir de cadavre. Alors? Je ne sais pas. Peut-être la haine. De qui? Son père. Allez, viens. Allez, viens, Eugène. Eugène? Eugène, viens, quoi? Eugène, si j'étais dur avec toi, c'est parce que je voulais que tu réussisses. Tu comprends? Eugène. Eugène, ici n'est pas Paris, n'est pas chez toi, c'est chez moi. C'est ça, c'est ça. Va pleurer chez ta mère. Tes histoires de poésie, c'est de la merde. Tu vas manger dans ma main. Reviens ici immédiatement. Tant que je serai vivant, tu n'auras rien de moi, rien de moi. Je vais te déshériter. Vous m'impressionnez avec votre psychologie. Son père était déjà mort depuis 6 ans quand il a écrit cette pièce. Moi, je n'oublierai jamais celui qui m'a battu, humilié, torturé. Je ne vous ai pas torturé. Vous avez du cognac? Non, mais j'ai mal au bras. Oui, moi aussi. Alors, ce corps qui prend tant de place dans la pièce, c'est... C'est tout ce qu'on veut. Ce qu'on a en trop, pas assez. Ça n'explique pas ses angoisses. Le théâtre de Ionesco n'explique pas. Mais je fais quoi, moi, là? Venez me voir au théâtre. Tout ce que je vis sur scène, l'auteur l'a vécu. Je souffre autant qu'il a souffert. Et quand je perds mon amour, je me retrouve seule, avec la honte d'avoir tout perdu. Parlez-moi de ça. C'est un auteur qui n'aimait pas écrire. Ah, ce n'est pas ce que la concierge m'a raconté. Il préférait dicter ses pièces. Ah. Il n'y a pas de fin à son théâtre. C'est que pour lui, la vie tourne en rond. Attention à ce que vous dites. Un auteur peut recommencer son histoire autant de fois qu'il le veut. Parlez-moi de Ionesco. C'est un auteur qui n'aimait pas écrire. Ah, ce n'est pas ce que la concierge m'a raconté. Il préférait dicter ses pièces. Ah. Il n'y a pas de fin à son théâtre. C'est que pour lui, la vie tourne en rond. Attention à ce que vous dites, un auteur peut recommencer son histoire autant de fois qu'il le veut. Parle-moi de Ionesco. C'est un auteur qui n'aimait pas à écrire. Ah, c'est parce que les concierges m'ont raconté. Il préférait dicter ses pièces. Ah. S'il n'y a pas de fin à son théâtre, c'est que pour lui, la vie tourne en rond. Attention à ce que vous dites, un auteur peut recommencer son histoire autant de fois qu'il le veut. Assez parlé d'Ionesco. J'ai plus de questions. Vous n'avez plus besoin de moi, inspecteur. Je vais retourner sur scène. Vivre ma vie. Pas si vite, Madeleine. Vous ne partirez pas d'ici. C'est moi.
avez violent. Mère soumise. Il a été abandonné, exilé, déshérité. A-t-il été aimé? Policier, inspecteur. Daisy, l'amoureuse de Béranger. Oui, vous la connaissez? 1960, rhinocéros. Oui, c'est exact, monsieur. Tous les personnages se transforment en rhinocéros. Pas Béranger, il refuse. À la toute fin, il dit, je ne récapitule pas. Je ne capitule pas, mademoiselle. C'est cela, l'auteur non plus n'a pas capitalisé. Que voulez-vous dire? UNESCO refusait les vengeances, les fantaisismes. Le fanatisme. Comment vous dites, monsieur? Je vous ai entendu dire, il m'aime, vous parliez de Béranger. Oh non, monsieur. Béranger est un alcoolique, un rêveur qui se laisse aller. Il ne faut pas prendre le théâtre pour la réalité. Moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un de gentil, qui ne boit pas et qui fait comme tout le monde. C'est pas la marque d'une personnalité très forte. Quand un homme est doux, il n'est pas violent. S'il fait comme tout le monde, il sera comme tout le monde. J'aime bien quand on me dit que j'ai raison. Vous avez raison. Ah? Alors, mademoiselle Daisy, monsieur, Ionesco est un être rêveur qui se laisse aller. C'est pas Ionesco, Béranger. C'est du pareil au même. Moi, par exemple, je me nomme Malou, avec un T à la fin. Mais j'étais Schubert avec un C au début. Vous avez de jolis yeux, de beaux cheveux. Pourquoi voulez-vous vous marier? Oh, mais je ne veux pas me marier. Tant mieux. Pardon? Le temps est plus vieux. Mais non, je ne me trouve pas vieux. Ah. Oh oui, vous allez tomber mieux. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous posez toujours des bonnes questions et vous êtes si gentil. Vous êtes si pur. Quand un homme veut quelque chose de moi, il me dit toujours que je suis pure, douce, comme si j'étais une poupée. Une poupée fragile, que je pourrais briser. Je ne suis pas si fragile. Posez-moi d'autres questions. Qu'est-ce que vous aimez de rhinocéros? Oh, le succès, avec un S de début à la fin. C'est avec rhinocéros que UNESCO a reçu ses premiers honneurs. Et c'est avec rhinocéros que j'ai pu exister en Allemagne, en France, en Suède, même au Japon. Mais au Japon, j'avais une bibliothèque japonaise. Ça va de soi. Oui, il a écrit des textes plus philanthropiques. Philosophiques. Quand vous dites plus intériorisé, oui. Intériorisé. Non, intériorisé, terrifiant, comme s'il se torturait, cherchant quelque chose. Une réponse. Une réponse? Quelle question? Je ne sais pas, monsieur. Oh, oui, Daisy, vous savez, ne faites pas de l'innocence. Répondez. À quelle question cherchait-il une réponse? Gardez-vous, monsieur, vous me faites peur. Oh, je te fais peur? Voyons, Daisy, il ne faut pas avoir peur, il faut répondre. Mais je ne connais que rhinocéros. Oh non, pas vous. Quoi, moi? Je dois partir. Oh, il n'y a pas question, tu te sauves, ma petite. Ah, t'es pas si fragile, hein? C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que Ionesco voulait savoir? Je veux le savoir, je n'en veux plus de ces cauchemars! Mais il est mort, monsieur! Mais toi, t'es pas morte, hein? Qu'est-ce que tu cherchais tout à l'heure avec ta fleur, hein? L'amour? De qui? De moi? Pourquoi je t'aimerais? J'ai pas aimé. Je suis policier.
Inspecteur chef! Puis toi, ma petite Daisy, si tu veux continuer d'exister, tu vas répondre. Qu'est-ce qui angoissait de l'Esco? La vie ou la mort? Je ne veux pas mourir. Tu n'as qu'à répondre, Daisy, et tu vivras. Oh, tu ne vivras pas. Tu vivras. Oh, tu ne vivras pas. Tu vivras. Oh, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Ce théâtre.